Bonsoir tout le monde, moi c'est Yvenson Frank, c'est avec un pile plaisir. Moi je vais présenter au téléjournal là, en nous ensemble rapidement, Pigou Point Cap dominé actualité. On colle tête pour l'autre Haïti, c'est sous thème ça, ministère éducation nationale et formation professionnelle lancé 4e édition concours musique éducation civique citoyenneté. Monseigneur Pierre-André Pierre, c'est nouveau président conseil administration Académie créole haïtien. Cérémonie installation nouveau conseil l'a déroulé mercredi 9 janvier 2019 là dans local Académie créole haïtien. Qui j'en travaille construction, cité administrative Port-au-Prince avancé. Une équipe TNH rencontrée directeur exécutif UCL BPA, ingénieur Clément Bélizet, la potée précision dans le journal ça. Commission économie et finance dans la République là rencontrée mercredi 9 janvier à ministre Santé publique et population, Marie-Greta Roy Clément, dans le cadre d'analyse projet loi finance 2018-2019 là. Actualité à l'autre bord de l'eau, président américain Donald Trump continue, mandé financement, construction, mis sous frontière États-Unis avec Mexique là. Chef l'État américain en palais, acte nation en cadillon message, mardi 8 janvier. C'est ensemble point nobral développé pour vous, restez branchés, Naptonet. Je suis un peu plus de temps. Caoutchouc sin top tête chat ça yo encore mais pas gamin c'est ça le caoutchouc qui sorti dans top taise pour mettre en bas votre machine nous ou va joindre tout côté pour rouler caposé OK pas oublié top taise. C'est fun wash, chire route, quoi chiclou. Ah, gonji boule m'bajoué. Vendez-moi 4 caoutchoucs. De quel gros cher oublié? Top talent, c'est fun wash, chire route, quoi chiclou. Je vais
Bienvenue dans le développement journal. Là, on a commencé avec la page météo. C'est Nicole François, c'est l'homme qui a présenté. Bonsoir tout le monde. Moi, content de retrouver nous aujourd'hui pour la page météo. Qui est en condition et nous allons voir ça sous bassin avec différentes images. C'est encore une masse d'air qui est plus ou moins humide qui a toujours été installée au niveau de la région Caraïbes et encore plus avec des remontées maritimes qui permettent à ce que l'humidité augmente. Donc, on a toujours un temps qui est plus ou moins mouillé de jour en jour. Ça veut dire l'activité la pluie qui est plus fréquente dans le jour par rapport à la situation. Donc, on a un ciel qui est plus ou moins nuageux au niveau de la région sud-pays. J'en ai regardé là. Et l'autre département, c'est toujours des ciels vraiment ensoleillés, mais dans la soirée, il y a une chance pour gagner quelques risques d'activité la pluie assez faible au niveau sud-ouest pays. Hein. Et même la Tibonite, voire le nord-ouest, capable de toucher avec quelques averses la pluie vraiment isolées pour assoyer. Par rapport à Port-au-Prince, ces régions avoisinantes, c'est toujours un temps ensoleillé pendant la journée. Hein. De l'après-midi, il y a un développement de nuages qui était possible et encore avec possibilité pour déboucher sous les averses la pluie au niveau capitale pour assoyer. Température maximale a été oscillée pendant la journée entre 30 et 31 degrés Celsius, mais assoyer a chuté jusqu'à 20. Donc, on a continué de dormir avec des températures vraiment agréables au niveau Port-au-Prince pendant le jour. Dans la page maritime, au niveau côte nord et puis côte sud-payant, c'est toujours des vagues qui montent assez haut, qui permettent Merlin d'y agiter. Pour raison, ça n'a pas de capitaine, il est toujours très prudent, il a fréquenté deux côtes saoudes, donc côte nord et puis côte sud-payant. Mais pour golfe de la Gonave, pas de trop soucis, son mer qui est relativement calme au niveau zone ça. Pour nous finir dans la page astronomique, là, le soleil a couché sous port, après ça, soit à 5h29 et il a pleuvé demain matin à 6h24. C'est un plaisir pour nous être ensemble pour Page Météo. Madame, Monsieur, merci pour attention à nous. Bon après-midi, excellente soirée et à très bientôt. N'a pas entré d'emblée dans l'actualité. Monseigneur Pierre-André Pierre, c'est nouveau président, conseil administration académique créole haïtien. Cérémonie installation, nouveau conseil a déroulé mercredi 9 janvier 2019, là, dans le local académique créole haïtien. Monseigneur Pierre-André Pierre, remplacé dans POSA, pasteur Poris Jean-Baptiste, nouveau président conseil AKA, gain pour le passé deux l'année dans tête institution ça. Lionel Jean-Louis avec Michel Joseph a présenté un compte rendu. Après l'Assemblée générale, 11 décembre passé à Nami Balai, côté un nouveau conseil, 7 membres élus dans l'élection qui était faite dans l'occasion. Nouveau conseil administration ça a installé mercredi 9 janvier 2019 là, en présence recteur Université de l'État, Fritz Desormes, ministre qu'il tient à communication, Jean-Michel Lapin, représentant diverses organisations internationales et membres de la société civile. Là. Président conseil administration sortant, Poris Jean-Baptiste, rappelé promotion l'idée qui manquait fait dans l'école et institution publique pour langue créole. Là. Poris Jean-Baptiste continue pour le faire connaître, l'Académie créole haïtienne doit encourager plus production dans la langue créole. Là. Académie doit faire tout ce qui est nécessaire pour encourager production dans la langue créole. Là. Encourager l'expérience peuple haïtien fait dans la découverte, dans la création, dans la production la fait en créole, quitte ses productions orales, quitte ses productions écrites. Fait tout ce qui est nécessaire pour la langue créole là, de bon genre rayonnement et prestige
dans la population haïtienne et dans l'autre population. Travail pour l'institution de l'État, appliquer la constitution dans la publication de tous les documents officiels dans la langue créole. Nouveau président conseil administration créole haïtien, Monseigneur Pierre-André Pierre, souligné et puis félicité Jeffort prédécesseur lui fait dans tête académie créole haïtien pendant lui reconnaître gros défi captain li. Monseigneur Pierre-André Pierre invité tout académicien yo ak tout l'autre cadre dans institution fait un sel ak li yon façon pour permettre la créole l'arriver plus loin. Moi promettre tout le monde moi pour aller marcher pas à pas. Yon façon pour ensemble nous arriver atterrir à tout ça nous gagner comme vision. Ça veut dire mettez en application gros décisions qui te prend pendant 4 dernières années. Yo. Toujours songez ça. Travail à cas, c'est un travail équipe. Li fait en équipe. C'est pour ça moi invité tout académicien yo kembe main ak moi an kembe main nan main tout direction yo tout service yo secrétariat exécutif là conseil consultatif là kembe main ak moi n'ap kembe main nan main en même temps tout journaliste yo. Tout citoyen haïtien, haïtienne, rejoignez-moi pour nous avancer ensemble avec ACA. Nouveau conseil, ça, c'est le troisième conseil administration qui a bien proposé Pionpal pour avancement académique créole haïtien. Nouveau conseil, ça, est libre pour un mandat de l'année. Il y a là-dedans un président, un vice-président, un secrétaire général à 4 conseillers. L'autre nouvelle directeur exécutif unité et construction logement ak bâtiment public yo Clément Bélizet a exprimé satisfaction pour travail institution la dirigée a réalisé dans cadre de construction cité administrative Port-au-Prince-Lan selon ingénieur Bélizet malgré difficulté équipe là a rencontré sous terrain yo déjà atteint environ 15% réalisation yo. Numéro 1, UCL BPA souhaitait continuer à joindre moyens d'accompagnement pour y arriver à construire tous 44 bâtiments publics l'État haïtien et prévoit mettre campé dans la cité administrative. Là. John Herbie Casseus et Frenel Toussaint pour détails. Malgré difficultés financières et techniques qu'il a rencontrées, travail construction cité administrative là après poursuivre dans Port-au-Prince. Ces déclarations, directeur exécutif unité construction logement et bâtiment public, Clément Bélizet fait dans le micro la presse mercredi 9 janvier 2019. Là. Sous 44 bâtiments publics, UCLBP gen pour construire dans la cité A, gen 3 l'État gen en fin fait et puis inauguré. Ministère intérieur et collectivité territoriale, ministère commerce et industrie et puis la Cour cassation. Nouveau local de GIA, la douane, ministère finance et la Cour supérieure des comptes presque fini, selon sa numéro 1 UCLBP a fait connaître. Le projet qui est en cours, la Cour, c'est les bâtiments symboliques des trois pouvoirs, palais législatif, palais national, palais de justice. Tout fin étudié, palais législatif là, à mettre en œuvre, palais national là, nous en concours, palais de justice là, tout bagage fin étudié, tout à l'heure à filmer. Et image 3 dit qu'on gagne pour palais de justice, maison de l'avocat, maison du barreau. Et donc, gagne provision pour à peu près 60% de provision. Ce faut d'un national la dette pour parlement, palais législatif là, palais national là, il faut que je joue ressources dans l'État, de même que palais de justice là. Mais tout notre bâtiment qui a construit coulier là, c'est des montants qui provisionnent, que ce soit les cours supérieurs des comptes, ministère des Finances, HDDGI. Mon dossier a provisionné sous fonds d'annulation de la dette DGI, il a fini. Le cours supérieur des comptes, ça qui est à côté, l'exécutif, c'est ça, supposé bon d'ici avril-mai. Ok, d'ici avril-mai, il y a l'autre bâtiment où il y a le palais des ministères, ok, qui c'est 3 bâtiments, en fait, qui c'est AGD, ouais, c'est 3, 1, 2, 3. Ok, ça, il a supposé parer peut-être dans le début de l'exercice prochain. Là, pour un petit temps en plus, peut-être septembre, octobre. Okay, parce que c'est des bâtiments qui finissent, mais
y arrive dans la partie finition, air conditionné, qui c'est des travaux très précis, très longs. Ok, pour passer tout doc, air conditionné, bah, ça, mais génératrice qui est commandé, tout. Bah. Jusqu'à présent, pas gain aucune modification dans le plan construction cité administrative. La. Cité à Apchita, sous environ 32 hectares, selon ingénieur. C'est à travers l'argent, fonds annulation dette, puis fort dans le travail ça yo réalisé, d'après Clément Bélizer. Ancien ministre Kilti ak communication, Joseph Guilherme Sedelva, souhaité acte politique yo, mette yo d'accord pour dégager un consensus dans l'idée pour créer stabilité dans le pays. Journaliste Guilherme Sedelva estimé, stabilité politique là a facilité création richesse. Ça cap permettre, selon on lit, conditions la vie population améliorée. Joseph Guilherme Sedelva a participé matin à l'émission Mise au point sous TNH. Il faut réfléchir plus sur Haïti. Parce qu'il y a des sacrifices qu'on est capable de faire et qu'on doit faire pour le pays. Et je pense que c'est, dans... et c'est ça, conscience Haïti a raté une chance énorme avec Jovenel Moïse. C'est-à-dire, le qu'il n'y a pas qu'à comprendre qui ça l'a cherché fait. Le qu'il n'y a pas qu'à comprendre volonté, détermination, l'a cherché mettre pour faire un seul bail dans le pays. Moi, je n'ai pas fini de m'acheter. C'est-à-dire que moi-même, moi, de l'intérieur, moi, ouais, volonté, moi qui ça voulait faire. Et moun nan pays a tout sous de bonne foi, pour des bagages qui commencent, c'est fait. Mais il faut pas le temps pour le travail. C'est-à-dire, sou, si depuis on l'ouvre, vous voulez cueillir, ou pas le temps pour le travail, pour dire parfait, ça, le deal l'a fait. Mais qui a pour le faire faire? Est-ce que nous aimons le pays d'Haïti? Si nous aimons le pays d'Haïti, nous ne pouvons pas le voir Jovenel Moïse comme opposant, ou bien c'est pas question de Moïse Jean-Charles, de André Michel, ou bien de n'importe qui opposant. C'est une question d'Haïti. Gon limite nous arrive, il faut que nous disions nous, bon, limite ça ne va pas dépasser la ligne, ça. Gon ligne rouge là ne va pas dépasser, parce que là, depuis de dépasser, c'est pays à l'apprécier. Ou à bon intervalle pour tout cas, jeu politique. Vous voyez, vous avez un peu de attaque les Jovenel Moïse, vous voulez, c'est pas un problème, parce que politique n'a fait, effectivement. Bon côté, monsieur a fait des failles là, ou à chercher pour avantage de failles à faire pour vous-même, ou à montrer que monsieur a voué fleur là, mais ça, ou même vous proposez pour faire. Mais, l'organe où est gon côté, gon ligne, c'est laisse à pays, c'est intérêt collectif là qui en danger, qui menacé. Ou pas dit, parce que faut, ou pas aimer forme tête Jovenel Moïse, ou pas aimer forme tête Jean Rissien, ou bien n'importe quelle autre autorité, ou dit, faut caser briser. Laisse ça ou pas dans Haïti. Moi-même, je ne veux dire, contribution, pas que je voulais porter, c'est dans la prise de conscience. J'ai noté annoncé dans Titio, en collé tête pour yon lot Haïti, c'est sous thème ça, ministère éducation nationale la formation professionnelle lancée mercredi 9 janvier 2019 là, quatrième édition concours musique éducation civique citoyenneté en cap gain pour dérouler sorti 21 janvier pour arriver 22 février 2019 là. Élève l'école privée est en cours public qui gagne l'âge entre 14 et 20 l'année capable de participer dans le concours. Midrey Miliasak Fresnel Toussaint a présenté un contre-indi. Concours ça entre dans cadre ensemble action ministère éducation nationale avec formation professionnelle là en train de mener pour freiner violence qu'a exercé dernier jour ça dans société là particulièrement l'école yo. Ministère éducation nationale là Pierre Josué Ageno Kader dans propos circonstances li rappelé jeune yo c'est avenir pays ya dans sens ça yo doit joindre moyen pour exprimer yo développer compétences. Nous lançons depuis quelques années une campagne éducation civique éducation citoyenneté pour permettre non seulement d'aller chercher joindre jeune yo découvrir talent que yo gagne permettre yo mettre en évidence toute potentialité yo. Et surtout campagne éducation ça li là pour promouvoir les valeurs patriotiques les valeurs citoyennes et en plus de cela esprit de dialogue jodi a dans 4e édition thème nan c'est on coller tête pour yon lot Haïti concours ça rend possible grâce à collaboration plusieurs artistes en cours Jean Belloni Murat Belo Roosevelt Sayan BIC Tamara Suffren artiste invité tout élève qui a participé dans la 4e édition concours ça respecter critères tant qu'originalité et respect thème nan année sans qu'on nous tourner pour nous
à le rapatrier ti moun yo et li pas suffit pour n'a dit que jeunesse la li lagué le besoin gen moun tout kabal alternative et c'est dans l'idée alternative ça que nous toujours besoin kembe yo focus sur valeur morale sur valeur citoyenne yo et année ça thème concours li c'est on colle tête pour on l'autre Haïti et c'est dans sens ça nous retourner avec concours qui c'est presque même détail ça veut dire que faut que ti moun yo pour participer dans concours faut que yo mettez en groupe ça veut dire faut yo plus petit 3 maximum 5 donc entre 3 et 5 c'est quantité de ti moun qui pour mettre dans groupe pour participer faut que l'école yo signe un formulaire là pour nous connaître que groupe ti moun ça gon l'école qui endosser qui dit que yo connaît que ti moun ça yo dans l'école là et yo signe pour ti moun participer faut que ti moun fait un œuvre ti moun yo fait un œuvre qui pas dépasser 4 minutes et le fin fait li faut que yo voye le ba nous dans bureau communication ministère ou bien dans direction départementale yo ANNKOLETET2019@gmail.com yo capable voyer et œuvre là sous email ça si vous pas venir déposer dans bureau communication ministère ou bien dans direction départementale. Moi trop facile pour ne seulement critiquer jeunes yo de ça y a fait qui pas bon et puis nous pas baio comme si nous avons chemin pour au fond bagaille qui bon et nous capable wel trois éditions qui passé yo montrer nous résultat que ça baille, il montrer nous quantité talent qui là qui montrer nous tout motivation qui existait déjà la Haïti moun yo et que y a tant petit ça nan men nous seulement et que pour aucun raison et m'pa ka di non pour baï comme ça m'gen pour devoir en tant que citoyen pour m'encourager non seulement un concours musique mais un concours qui permet ti moun yo jeune occasion pour vivre ensemble pour rencontrer ensemble moi même moi ouais ambiance dans loge moi ambiance dans répétition générale différents l'école qu'a rencontré Napton tout monde toute l'école qui dans tout pays hein, et tout monde gen chance égale ça veut dire chance ou chita seulement sous qualité travail qu'on a fait qualité œuvre qu'on a produit et originalité qui la donne prononciation diction et respect thème nan, et puis prestation live là parce que c'est pas seulement jury yo même jury yo qui pral déterminer gagnant gon prestation live qui détermine ça tout concours éducation civique citoyenneté ouvert pour élèves l'école dans tous 10 départements pays a li viser développer esprit dialogue faire promotion pour vivre ensemble solidarité respect une pour l'autre akran jeune yo remet pays yo ministre éducation nationale et formation professionnelle là Pierre Josué Génor Kader fait connait ministère à Paris pour recevoir dans stage plusieurs jeunes dans cadre d'un programme gouvernement mettez campé. Initiative ça visé faciliter intégration géniaux dans fonction publique là selon ministre Pierre Jésus Agénor Cadet. Plus explication dans micro Midrey Milias ak Frenel Toussaint. Si nous dit nous besoin l'autre pays, faut que nous commencer par géniaux aujourd'hui là. C'est dans sens on va voir gain plusieurs l'autre ministère tant que la culture, tant que sport qui va faire pile j'ai fond dans sens ça et déjà tout gain instruction passer par tout ministère dans pays là. Toute institution yo pour yo mettre jeune yo au travail. Nous même jodi ala nous ouvre lettre côté yo mandé nous pour nous mettre 15 jeunes en stage et nous déjà prêt pour faire ça et dans tout ministère. Mais nous dit si nous dit jodi ala n'a critiquer jeune yo qui bloquer non ces activités cap détruire avenir yo faut nous pour nous combattre ça faut que nous mettre des activités saines pour yo des loisirs sains. L'autre nouvelle dans une note qui sortit lundi 7 janvier 2019, la mairie Port-au-Prince mandé pour tout le monde qui a occupé différentes places sous espace Chanmasla pour quitter espace ça dans l'idée pour réaliser travail réhabilitation qui permettre zone à retourner Jean Téa. Toute disposition déjà prend pour faciliter respect Mésissa, selon porte-parole mairie Port-au-Prince. Là. Falande Delphin et Henri Robert Chéri à ben nos détails. Depuis quelque temps, espace Chanmasla transformé en dortoir, car wash, shop, marchand différents articles exposés la nuit ou la journée. Suite à constat ça, mairie Port-au-Prince après plusieurs démarches décide de reprendre gestion espace pigo place public PIA. Porte-parole administration communale Port-au-Prince là Olwid Joly explique série travail pour réhabiliter place yo déjà commencé depuis les notes sa sorti. Yo te bay occupant yo 24 heures de temps pour quitter espace si là. N'a pas prendre contrôle les champs de mars, mais il se trouve que place des artistes n'est pas sous compte ministère de l'intérieur et contrairement à l'autre place yo, il était sous compte ministère du tourisme et jusqu'à présent
nous pouvons entamer les discussions avec le ministère du Tourisme pour nous prendre contrôle. Donc, il concerne les places des Salines, place Constitution, Christophe, etc. Kiosque-là va rentrer là-dedans parce que jusqu'à présent, et Kiosque-là est sous compte ministère et culture et communication. Travail ça a concerné espace ministère intérieur est occupé et qui vient sous contrôle mairie Port-au-Prince. Mairie Port-au-Prince compte sur chaque grain haïtien pour aider yo kembe espace ça propre. Comme dit, c'est pas des travaux de c'est pas de grands travaux de réhabilitation, c'est des retouches qu'on a fait dans des côtés nous estimés qui étaient écrasés, qui étaient laid et bien entendu nous pourrons le peinturer et quelques côtés qui méritaient ça. C'est un bon premier travail, mais après, et réhabilitation place là, justement, pour l'entrée dans le cadre d'un projet général qui a pris du temps, qui a pris des financements. Mais on a travaillé sur ça, la mairie a travaillé sur ça. Et le magistrat a pris toute disposition pour qu'à partir du mois de mars, toute place là électrifiée normalement, pour pas un niveau d'insécurité qui connaît sur place là les après-midi. Et que tout le monde est capable d'utiliser place là, même si on a fait l'avant. Mais on a demandé aux populations en tout pour aider nous faire travailler ça. Parce que ce n'est pas seulement machin qui a jeté Fatra. Et sous place là, il y a un citoyen qui fait, même j'ai fait dans toute ville là. C'est ça qui crée une grosse difficulté pour l'équipe voirie Meria, par exemple. L'équipe là qu'on passe ramasser Fatra à 5h du matin, et puis à 8h, ou bien en jeune là, il y a plus Fatra que le dégain avant. Donc, il y a une responsabilité citoyenne que nous devons prendre vis-à-vis du travail la Meria fait pour renforcer, on est capable de dire, l'efficacité du travail là et permettre que nous-mêmes, comme Port-au-Princiens, nous vivons dans un environnement qui est sain. Chanmas, c'est avant tout un lieu historique, un espace détente. Il était créé dans l'année 1954, dans l'occasion de 150 années d'indépendance pays. Il y a un arrêté qui portait date 25 mai 2012, déclaré espace là comme patrimoine national à titre jardin historique. On apprend en direction Palma Haïtien, Commission économie et finance de la République a rencontré. Mercredi 9 janvier 2019, la ministre Santé publique et Population, Marie-Greta Roy-Clément, sous enveloppe budgétaire qui est évaluée à 12 milliards de ministère a gagné un projet loi finance 2018-2019. La président commission Sénat Jean-Henri Gobelizer dit gagner une augmentation sorti 5 milliards et 12 milliards de ministère Santé publique et Population bénéficier d'un projet loi finance. Parlementaire a dit li croit li nécessaire pour ensemble projet ministère a gain impact sur population. Yon extrait dans micro confident Fedner ak Moïse Wilbridge. Les crédits budgétaires pour le MSPP représentent 7% du projet du budget. Ils ont connu une augmentation non négligeable, soit 113% par rapport au budget précédent, passant ainsi de 5,69 à 12,13 milliards de gourdes. Cette augmentation est un signe que le gouvernement dont vous faites partie accorde une plus ou moins importance aux problèmes sanitaires du pays. Toutefois, la Commission s'intéresse aux détails relatifs aux crédits d'investissement, affichant une augmentation significative de plus de 4,59 milliards de gourdes, de 604 millions à 5,2 milliards. La Commission aimerait s'enquérir sur la capacité d'absorption de votre ministère à gérer l'ensemble des programmes et projets au cours de cet exercice. Quels que soient ces projets, où seront-ils exécutés? Donc, quels sont ces projets? Où seront-ils exécutés? Qui en seront les bénéficiaires directs et quelles sont les retombées positives pour la population? Madame la ministre, les structures hospitalières en Haïti souffrent d'une faiblesse de cadre légal et réglementaire, de capacité managériale limitée, d'exploitation inadéquate des ressources humaines disponibles et même d'une absence de mécanismes de coordination. L'hôpital de l'Université d'État d'Haïti en est un exemple concret. Ministre Santé publique et Population, Marie-Greta Roy-Clément, précisé, l'IT mandé environ 21 milliards de gourdes comme budget pour institutions liant dans le cadre de préparation projet loi finance-là. Ministère Santé publique pour exercice fiscal 2018-2019, après décision conseil ministériel décidé, mettait à disposition environ 12 milliards de gourdes pour exercice-là. Docteur Marie
Rita Roy Clément dit malgré lui, t'es souhaité MSPP gain plus l'argent dans le budget à promettre libre le travail pour atteindre l'objectif fixé. Ce budget a été élaboré à partir de données collectées à travers toutes les institutions que je viens de mentionner, les directions centrales, les directions départementales et les institutions hospitalières, les institutions pourvoyeuses de santé. Donc nous avons fait un exercice où la direction administrative et de budget et l'UEP a travaillé de manière séparée avec chacune de ces directions pour pouvoir comprendre leur budget et leurs besoins. Et tout ceci a été compilé et nous avons pu sortir un budget qui représentait les besoins minima du ministère de la Santé publique et de la population pour faire fonctionner toutes ces institutions. Le budget sollicité était estimé à 21,673,686,726 gourdes, dont à peu près 19 milliards pour le fonctionnement et 2 milliards pour l'investissement. Maintenant, après les différentes conférences budgétaires que nous avons eues avec le ministère de l'Économie et des Finances et le ministère de la Planification et de la Coopération externe, le budget qui a été soumis au Parlement et qui a été adopté en Conseil des ministres est de 12,135,873,223 gourdes. Et ce budget représente 7% du budget national estimé aux environs à approximativement 172 milliards de gourdes. Maintenant, si le budget sollicité par le MSPP avait été dans sa totalité adopté, et je tiens à faire cette petite parenthèse, il représenterait 12,6% du budget, ce qui nous rapprocherait des normes de l'Organisation mondiale de la santé pour les budgets de santé dans la région en général. Nous allons observer une pause tout court. Restez branchés, Naptoune. Journée en pas de facile. Où tout est ça? L'autre nèg yo te occupé nan mine nan. Yo rele nou pou vinn pote men. Et c'est là ça. Mwen wèl. So, ki sa ou fè? Sa un garçon tout bon ta fè. Ou y ve sauvel? Mande pito non. Nèg brave sa ou jwenn fòs kouraj yo nan yon byè ki tyanm, ki gen nanm, yon byè solide, solide. Tankou, Turbo King, se zafè gason. Toujou enjoy boisson alkolize ak kontrol. Mobile E, c'est plus qu'un lubrifiant. C'est le mélange parfait de plusieurs huiles qui se transforment en molécules pour vous permettre d'aller plus loin, beaucoup plus loin qu'avant. C'est l'évolution de votre moteur. Choisissez les lubrifiants mobiles. Ici, vit l'énergie. Chérie, pour son travail dur, je pense que nous allons chez Beltikay, ça oui. Beltikay, nous allons à l'école, nous allons à l'université, voyage, retraite. Qu'on y a ici un gros problème. C'est dans quoi pour être là? Pas courir dit ça. On peut parler avec AIC. AIC a pu planifier l'avenir nous et jouer une plus bonne solution dans la gestion commune. AIC est FlexiCash. Li aide au fait économie pour qu'a jouer l'argent pour réaliser rêve côté toujours gagné. Et Optima qui permet de jouer la vie ou l'opin retraite. Oh, assurance qui a fait tout ça? Assurance, c'est un outil pour tout problème économique. Dans AIC, nous portons solution pour nous.
décision. C'est non même lié. Est-ce que mon problème financier comme ça? C'est pas ça que m'a souhaité, mais si ça t'a le cas, moi-même m'a continué take care madame avec toute famille. Take care madame moi? Non, pas moi-même personnellement. Maintenant AIC nous porte solution pour tout assurer. AIC prends bonne décision. Relais AIC dans 28 12 63 0 jour. AIC c'est moins ce problème, plus solution. AIC à faire. Nous tendez ça au mandé. Il n'a pas tiré toute limite. Parce que leur perdit sans fin payer, ça n'est pas bon même. Koulia, ça fait perdre des data et des data. C'est celle d'Issel qui va rollover illimité sur data et des data. En écran, nous voulons prendre gros loa avant d'y expirer et puis qu'il y ait tout ça en fin payer. Pas jamais se perdre encore. Allez sur l'application MyDigicel, la Koulia, et puis achetez plein gros loa par là. Digicel. Oh! Actualité à poursuivre après pause là. Maison La Presse en tête collée avec plusieurs organisations à organiser. Samedi 12 janvier, il y a un pèlerinage dans Bois Caïman. Initiative ça a visé fait site historique ça a tourné une véritable destination touristique. En tourné Bois Caïman, c'est sous thème ça activité ça à organiser. Secrétaire général SOS journaliste là, Joseph Guiller Cédelva a bail plus détails. Son mobilisation qu'on a fait pour une prise de conscience. Qui doit aller, c'est pas juste Bois Caïman cérémonie, non? Ça, Bois Caïman symbolise, ça le représente. Qui c'est nous-mêmes? Ça le représente, c'est nous-mêmes. C'est-à-dire que ça nous y est, à nous pas jamais évaluer, ça nous y est, ça nous représente. Imaginez-nous comme nous, dans le monde, ça nous fait assez nous seulement que faire. Et tout reste Afrique là. Nous sommes fiers de vous, bien que nous-mêmes nous pas exploiter ça. Pour voir quand même, avant le 14 juillet, venir là, pour faire 228 ans. Depuis Bois Caïman, c'est mon affaire. Depuis un après-midi, on a commencé avec une série d'activités jusqu'à soir. Ok? Mais tout à soir, on a besoin de monde. On a pris mes bouquins, nous là, on a fait. On a dit, on va original, comme ça. Et pas formel. On va venir, ou juste venir, parce que c'est haïtien. Parce qu'on prend conscience. Et on n'a pas payé pour ça. Non. Mais qui est-ce pour le payer? C'est lui. Quoi qu'il m'a dit pour nous? Il n'y a pas de pour nous. Non, il n'y a pas de payer au bus, non? Non. Chaque monde dégage. Son convoi en affaire, on caravane. 6h du matin, on a dérapé. En 2019, là, on a commencé destination pour le payer. C'est vrai, comme si on a dit, il n'est pas évident, infrastructure, bien structure d'accueil que nous avons besoin. Il y a un métier, mais bah, c'est même une structure légère. Gain des bagailles qui a besoin fait au minimum. Selon Guilherme Cédelva, rendez-vous à Cassé samedi 12 janvier, 6h le matin, sous kiosque Oxyde Gentil Chanmas, et après tourner dimanche matin 9h. Groupe Cap Apié, réfugiés et rapatriés gare, parlé sous incident qui arrivait dans la frontière Elias Pigna. Samedi 5 janvier, à côté un migrant haïtien et un citoyen dominicain perdit la vie. Responsable communication Garla, Gérald Saint-Ville, salier décision autorité dominicaine au point pour l'ouvrir enquête cap déterminer cause incident ça. Gérald Saint-Ville a porté plus d'explications dans micro Colo Élisère à Toussaint Frenel. Côté que gain deux migrants qui t'a traversé pas vraiment traverser frontière là mais qui était cap marcher dans quartier et que agence SWAT mandé pour identifier yo dans on t'a pas conduire en altercation côté une yo selon information qui bail pour tirer sur agence SWAT là et l'autre collègue li qui était avec l'USA lui même li attaquer l'autre migrant et li tuer sur le champ ça va bail deux morts non seul incident. Et malheureusement, yo pas identifié non migrant haïtien, mais monsieur agent Sesfontan lui-même li rele Oriano Montelo. Alors nous espérons que pour une enquête l'état dominicain a vraiment venu avec résultat enquête que l'annoncé qui pour bay vraiment vraie cause de moun sa ou mouri et pour prendre des mesures par rapport avec genre de situation ça. Alors nous même au niveau de gars, c'est vrai que ça indigne nous, non seulement mort et
agence c'est sorte là mais aussi immigrants haïtiens. Simplement nous croyons que ab gen des y a vinn avec des faits qui pour baïa qui pour montrer résultat enquête là. L'autre bagage nous voulait dit tout. Nous connaît période décembre là son période de fête li ba kon gen ti relâchement tout et ça pas fait que gen en pile problème qui kon soulevé en pile incident entre migrants et agence front sinon autorité migratoire dans pays d'accueil surtout côté migrants haïtiens hier. C'est vrai que gen un renforcement qui fait tout au niveau de frontière là par République dominicaine côté près de 600 soldats et dominicains yo mettez sous frontière là pour renforcer vigilance mais ça pas empêché tout qu'on ait des incidents qui répétaient qui malheureux soit pour qui malheureux pour tous les deux pays. Pour mois décembre 2018 passé à tribunal première instance Port-au-Prince traité 70 dossiers dans le cadre d'assises criminelles sans assistance jury qui était organisé dans le palais justice Port-au-Prince. Commissaire gouvernement Port-au-Prince, là, maître Paul Héronce Villain, expliqué objectif li, c'est combattre détention préventive prolongée et puis combattre corruption dans le système judiciaire. Reportage à Paki Sainte-Croix avec Frédéric Toussaint. Après installation dans le paquet tribunal civil Port-au-Prince, 18 décembre 2018 passé, le commissaire gouvernement Port-au-Prince, maître Paul Héronce Villain, fait connaître, il a commencé le travail pour combattre détention préventive prolongée dans la prison civile juridiction Port-au-Prince. Là. Dans le mois de décembre 2018 passé, tribunal a traité 70 dossiers, les procédés avec 20 libérations dans le cadre d'assises criminelles sans assistance jury qui était organisé dans le palais de justice Port-au-Prince. Pour organiser de l'assise criminelle avec assistance de jury, au besoin de dispositions spéciales, au besoin de publication, au besoin de grande préparation. Mais comme dans l'expérience PAM, les dossiers criminels sans assistance de jury, yo ou pas besoin d'ordonnance spéciale pour ça. Nous qu'a organisé pendant toute l'année. Donc nous-mêmes nous avons commencé avec les dossiers les plus simples depuis le 24 décembre. Donc nous c'était la relance officielle des activités du tribunal le 24 et en 4 jours nous avons entendu au tribunal 70 dossiers et plus de 20 personnes ont été libérées au cours du mois de décembre. Chef paquet Port-au-Prince l'a expliqué pour l'année 2019 là perspective li c'est créer plusieurs cellules pour combattre corruption dans le système judiciaire travail dans tête collée avec doyen tribunal là et puis établir confiance dans appareil judiciaire paquet pendant ma parole là nous avons un système de rapport qui permet nous connaître chaque jour qui quantité de dossiers qui entrent dans paquet qui orientation yo prend et comment pour adresser. Donc pendant ma parole là tous les jours on rapport qui déposé sous bureau donc ça m'relé dans cadre administration centrale interne parquet nous créer plusieurs cellules notamment cellule détention qui composée de 5 monde nous former en cellule pour la corruption parce que ça entrait du même coup dans la politique pénale du gouvernement la corruption quand je parle de corruption je parle de la corruption généralisée dans l'administration publique et je ne cesse jamais de le répéter. Donc en matière de corruption, pour moi, en fait c'est ma perception comme citoyen et comme commissaire du gouvernement, la prévention est beaucoup plus importante que la répression. Parce que nous avons déjà organisé des procès dans le temps et pourtant jusqu'en 2019, nous parlons encore de la corruption. Commissaire gouvernement Port-au-Prince, M. Paul Héronce Villard, dans le cadre de réforme, nous entendons porter fait appel à tout acteur qui travaille dans le système judiciaire, lui annoncer, lui pral partager information à l'organisation qui défend droit moun yo, à présenter rapport sur ensemble dossier par qui a traité. L'autre information, direction générale impôt et performant pendant exercice fiscal 2017-2018 là, selon directeur général des GIA Miradin Morland. Toutefois, responsable direction générale impôt yo expliqué quelques difficultés yo été rencontrées. Pendant l'année fiscale là, même les institutions ont arrivé collecter plus passé ça qui était prévoit. Directeur général des GIA a encouragé citoyens yo pour payer taxes. John Herbie Casseus ak Henri Robert Chéri a présenté un reportage. Malgré événement 6, 7 à 8 juillet 2018 yo,
responsable direction générale Impoyo bat bravo parce que vous déclarez yo rentré plus par ses prévisions yo pour 4e trimestre exercice fiscal 2017-2018 là. Miradin Morlan, directeur général DGIA, garantit institution a créé plus facilité pour contribuer à bio répondre avec des voies yo. Puis loin, directeur a plaidé pour gagner un environnement la paix avec stabilité pour créer conditions de développement dans pays ya. Exercice année dernière là, moi t'ai une prévision de 41 milliards de gourdes pour me collecter. C'est pour la première fois depuis que je viens de tête institution, ça m'a toujours atteint une prévision avec des écarts vraiment intéressants. Je n'ai pas arrivé à atteindre une prévision à cause des événements 6-7 juillet. Yo. Mais, tu as gagné une estimation qui était faite côté que le ministère des Finances, tout de suite après l'événement 6-7 juillet, tu prévois que nous avons un manque à percevoir. Il y a un gap de 4 milliards de gourdes. C'est-à-dire, pour me faire 37, comme ça me fait 39,8. C'est-à-dire, moins performant. Nous, tout théorie qui s'est passé, c'est 7 juillet. Donc, il était pensé que je fais moins, je fais plus que ça, je prévois. Je performant. Parce que je fais 39,8. 18-19, nous avons une prévision de 56 milliards de gourdes pour me collecter. Directeur général là explique la nécessité qui gagne pour tout citoyen payer taxes et faire déclaration définitive impôt. DG arrêté quoi, c'est un devoir tout le monde a de respecter. Dans ce sens ça, il souhaitait gagner disposition la loi qui établit pour punir tout le monde qui a fait évasion fiscale et mauvaise déclaration. N'a pas gardé pour nous comment yo capable river effectivement si un citoyen connaît ce citoyen vrai. Il faut que tout le monde mette bouche dans ça pour arriver à être criminalisé. Il faut qu'on ait une loi qui vote dans le Parlement. Quand on est arrivé à criminaliser ça, c'est les fraudes fiscales et l'évasion fiscale. Parce que trop de monde qui ont possibilité pour payer les taxes qui ne peuvent pas payer, qui ont fait évasion fiscale ou bien qui ont fait fraude fiscale, tant qu'on fait dans tout notre pays. Miradin Morlan encourage les citoyens à continuer à payer les taxes pour l'État capable de payer les services. Selon lui, c'est l'argent contribuable qui permet l'État de payer bon rendement dans le travail à réaliser dans le pays. Nous arrivons au moment pour nous prendre une autre pause. Pas débrancher, Naptoné. Mobil 1, c'est plus qu'un lubrifiant. C'est le mélange parfait de plusieurs huiles qui se transforment en molécules pour vous permettre d'aller plus loin, beaucoup plus loin qu'avant. C'est l'évolution de votre moteur. Choisissez les lubrifiants Mobil. Ici, vit l'énergie. Chérie, pour ton travail dur, je pense que nous allons chez Beltikai, ça oui. Beltikai, nous allons à l'école, nous allons à l'université, voyage, retraite. Qu'on a ici un gros problème. C'est notre quoi pour être là? Pas courir dit ça. On peut parler à qui ici. Et ici a pu planifier avenir nous et jouer une plus bonne solution dans la gestion comme. Et ici qui flexi cash, li aide au fait économie pour qu'a jouer l'argent pour réaliser rêve côté toujours gagner. Et Optima qui permet de jouer la vie ou l'on prend retraite. Oh, assurance qui a fait tout ça? Assurance c'est un outil pour tout problème économique. Dans et ici nous porter solution. Décision. C'est non mais nous lié. Est-ce que vous avez un problème avec ça? C'est pas ça que nous souhaité. Mais si ça t'a le cas, moi-même, je continue à faire madame avec toute famille. Faire madame moi? Non, pas moi-même personnellement. Maintenant, AIC nous porte une solution pour tout assurer. AIC, prends une bonne décision. Relais AIC dans 28 12 63 0 jour. AIC, c'est moins ce problème, plus solution. AIC à faire. Nous tendez ça au mandé. Et n'a pas tiré toute limite. Parce que leur perdit sans fin payer, ça n'est pas bon même. Koulia, ça fait perdre data et médicaments. C'est celle d'Issel qui va rollover illimité sur data et médicaments. En écrit, nous voulons prendre gros loi avant d'y expirer et puis qu'il met tout ça en fin payer. Pas jamais se perdre encore. Allez sur l'application MyDissel, la Koulia, et puis acheter plein gros loi par là. D'Issel. Oh! Nous allons faire un coup de pied tout court dans l'actualité internationale. Le président américain Donald Trump parlait avec la nation mardi 8 janvier sur financement, construction mis sous frontière États-Unis avec Mexique. Là, à cause pour qu'on gagne une entente entre Maison-Blanche et Congrès, shutdown
après poursuivre une situation qui la cause administration fédérale la paralysée pour un titan. En suivant. Dans le cadre du premier discours du président américain avec la nation en Pouanea, depuis Maison Blanche-Lan, mardi 8 janvier 2019, il a demandé 5,7 milliards de dollars pour barrières en acier sous frontière avec Mexique. Le président a prononcé la décision qu'il prend pour décréter l'état d'urgence qui t'apprend à permettre de commencer la construction. D'après la déclaration du président américain, il y a une crise humanitaire et sécurité dans la frontière sous Bosside. Le président Trump dit qu'il a accueilli avec un pile fierté, mais légalement plusieurs millions de migrants qui ont enrichi le pays et qui ont contribué à la nation. Toujours d'après Trump, tout Américain a fait face à l'immigration illégale qui est sans contrôle. Donald Trump, qui proposait finalement une barrière en acier au lieu mis en béton dans la frontière, longe l'ouest sous démocratie, d'après lui, qui est responsable impasse pays qui connaît. Démocrate au bon côté Payo estime que c'est président Trump qui prend peuple américain en otage. Des accords soumis États-Unis et Mexique là, la cause yo fermé partiellement et en cas d'administration fédérale yo. 800 000 fonctionnaires dans le chômage technique. États-Unis sous 19e jour shutdown, il y a une possibilité pour shutdown ça battre record 21 jours sous présidence Bill Clinton entre fin 1995 à commencement 1996. Après 18 jours, l'Union européenne est arrivée à joindre un accord entre Malte et 8 autres États membres. Le Premier ministre Malte, Joseph Muscat, a annoncé un accord qui va permettre 49 migrants qui étaient bloqués sous deux bateaux ONG allemands débarqués. Bateau Sayo, Sea-Watch et Sea-Ain étaient sous l'eau maltais depuis plusieurs jours. Ils ont attendu un port pour l'ouvrir porte-là. 49 migrants ont dû être transférés depuis ça possible sous plusieurs bateaux marins Malte. Dans la capitale, la Lavalette, mettait sous ça, gain 249 demandés asilio. Malte tépoté secours et puis accueilli pendant dernier jour Sayo qui a bénéficié à Kosatou. Migrants ont réparti dans le pays Sayo, Allemagne, la France, Portugal. Roumanie, Luxembourg, Pays-Bas et Italie, d'après précision Premier ministre Malte, Joseph Muscat. Mais différents points notés développés pour dans le journal là, en collé tête pour yon lot Haïti. C'est sous thème ça, ministère éducation nationale et formation professionnelle lancé 4e édition concours musique et éducation civique citoyenne T1. Monseigneur Pierre-André Pierre, c'est nouveau président conseil administration académique créole haïtien. Cérémonie installation nouveau conseil l'a déroulé. Mercredi 9 janvier 2019, là, dans le local académique créole haïtien. Qui j'ai en travail construction, cité administrative Port-au-Prince, avancé, yon équipe TNH, t'es rencontré directeur exécutif UCL BPA, ingénieur Clément Bélisère. Commission économie et finance Sénat République l'a rencontré mercredi 9 janvier, ministre Santé publique et population. Marie Greta Roy Clément, dans le cadre d'analyse projet loi finance 2018-2019. Dans l'actualité internationale, le président américain Donald Trump continue à demander financement, construction, mise sous frontière États-Unis et Mexique. Le chef de l'État américain parlait avec la nation dans le cadre d'un message mardi 8 janvier. C'est là que nous mettons en bout dans le journal. Merci pour fidélité et attention. Prochain rendez-vous. Avec Journal Sahar, c'est pour demain, dans même l'heure. Bonne nuit tout le monde.